À la fin, mon ami, il avait une Polaroid, puis il s'est mis genre sur une chaise, puis il avait dit, guys, c'est quand même un moment drôle, puis on a pris une Polaroid, mon ami, là, puis c'était quand même cute, c'était drôle. Puis on est tous restés amis. Non, non, là, on s'était rhabillés, là, mais on était genre dans mon. Puis ce que je me rappelle, un de mes bons souvenirs, c'est sur mon bac de linge sale, j'ai comme genre un beau panier, puis mon chat était dessus tout le long, genre vraiment en train de nous regarder. Oh mon Dieu, l'autre fois, j'ai fourré et mon chat était dans le lit au début, là, j'étais comme votant. J'étais comme votant, votant, là, j'ai dit au gars, j'arrête, votant, là, votant le chat. Puis là, genre vers la fin, quand le gars était sur moi, il était sur le bord de venir, j'ai vu dans le coin de ma chambre, puis mon chat était tellement bien regardé, j'étais genre, non, je suis pas capable. C'est mon nain, genre là, mon chat était là, fait que genre, je l'ai comme oublié, mais je suis pas capable. Genre, mettons, tu sais, il y a du monde, là, tu sais, comme genre, je suis déjà allé chez une fille sur une date, puis genre, ça commençait à se donner, puis genre, son chien était genre couché dans le lit à côté de nous, puis j'étais comme, hey. Un chien, c'est-tu pire qu'un chat? Un chat, ça fait moins bruit. Un chien, l'affaire, c'est que, éventuellement, c'est comme, OK, on joue, là. OK, yo, on joue, là, parce que non, oh, non. J'avais jamais pensé genre, à ça. Ouais, maintenant, je trouve que le chien, j'ai l'impression que le chat sait ce que t'es en train de faire. Genre, ouais, le chat, il est là. Le chat, il est là, là. Il est de même, il regarde, il est genre, c'est fucking dégueulasse. Genre, tandis que le chien, il est genre, comme, il est là, pis il a aucune idée, genre. Ouais, j'avoue. Mon chat, il a ri de moi quand je bandais pas. Je suis pas mal sûr. Mais yo. Ouais, je suis d'accord. Un chien, c'est juste comme, oh, wow, qu'est-ce qui se passe? Pis un chat, c'est comme, ah, c'est répugnant. Pis mettons la masturbation devant un animal. Pas capable. Si je. Moi, je calisse mon chien pis mon chat dehors. Mais mettons, des fois, je suis dans mon lit pis mon chat, il dort à côté, genre. Non. Mais il me touche pas, genre. Il pas il grave. A un lit, pas grave. Comment tu fais pour te mettre dans ce mindset-là? Ben, c'est. Puis moi, l'affaire, c'est que je suis en train d'écrire un number là-dessus, moi. Tu sais, genre, je suis pas capable de me masturber pas de porn à cause que j'ai trop une tête de cave, genre. Tu sais, je suis genre comme, je l'ai essayé une fois, puis j'étais comme, OK, pense à les affaires chaudes. Okay. Puis là, j'étais comme, hey, pense à ta sœur. Puis j'étais comme, ah, tabarnak, Will. Genre, tout de suite, ma tête, elle va genre. Ah ouais. Je trouve ça drôle, mais. Ah, c'est intéressant, quand c'est même. C'est moi qui se prank moi-même. Je suis comme, hey, si que ça serait drôle. Tout le temps, genre. Fait que t'es pas capable de rester focus, genre, sur un truc, puis d'user ton mental parce que. Je suis tout le temps en mode gag, genre tu sais comme l'autre jour j'ai eu genre un gros talk avec tu une fille que je voyais puis genre c'était un gros talk fucking intense de comme fin de pas relation cool, puis on a eu le gros talk puis tu sais genre puis elle pleurait puis était dans puis là moi je pleurais puis on était mal plein bout j'étais comme à quel point ça serait où? Je faisais genre dans ma tête ça va fucking fait rire puis je suis parti arrêter c'est le genre de pensée que j'ai mais t'es capable d'avoir des talks. Même, oui, même fucking, oui, mais c'est juste que, genre, des fois, ma tête va plus, genre, okay, je comprends. C'est pour ça, genre, je peux pas me crosser sans pointe. Je ne suis pas capable, sinon ma tête fait trop des gags. Genre, admettons, là, si je commence à me crosser, tu sais, j'habite avec Florent, ça m'arrive d'être comme, hey, ce serait drôle en esti. Florent, il est. Que j'y saute d'en face. Tu sais. Mais. Non, c'est pas vrai. Florent, il s'en va. C'est pas vrai. Mais, non, ouais, ça, genre, on dirait, je suis tout le temps en mode gag. Genre, je veux tout le temps puncher, fait que je suis comme. Je comprends. Fait que, tu sais, mettons, ça fait que mon. Ouais, mettons, tu sais, mon chat à moi s'appelle Valérie Plante. C'est ça le nom de mon chat. Ça. Okay. Puis, à cause que, genre, quand je l'appelle Valérie Plante ou genre. On dit Valou Valou, mais mettons, comme genre, que je me fâche, comme là, madame la mairesse, là, sage, genre, c'est fucking drôle. Mais, tu sais, comme si mon chat est dans ma chambre, le temps que je me crosse, ouais, comme, pas... hey, Valérie Plante, puis je suis pas down. J'avoue. Okay. Ah, ok. Ben, moi, mon chat, son nom, c'est pas quelqu'un de connu. Mon chat, c'est Gaucho de Six Pack. Mais l'affaire de sprinkler soi-même, on dirait, moi, quand j'ai une discussion sérieuse, il faut tout le temps qu'il y ait une petite affaire de même. Faut qu'il y ait un gag. Quand moi puis mon ex, on se laissait, on était dans un. Lui, son père habitait dans une espèce de grosse tour à condo avec une espèce de grand hall. Puis pendant qu'on était en train de se laisser, tu sais, il y a des pianos dans ces halls-là. Et là, il y avait genre une toune, là, mais genre. Une toune dramatique qui jouait, là, genre la fin de Notebook. Genre, là, juste fucking. Tu comprends? Vraiment, là, dramatique. Là. Puis là, j'étais juste là, j'étais comme, hey, moi. Tu sais, j'étais. On était là, j'étais comme, hey, pour vrai, c'est la plus belle séparation de ma vie, man. Il y a genre un beau petit piano en arrière. Ah, mais genre, les deux, on broyait, puis tout, c'est fucking intense. Tu m'as dit? Ouais, j'étais genre, voyons, c'est quoi la suite d'affaires là, avec le piano? Là, j'aurais jamais pu avoir une plus belle séparation. Même chose, je suis pas capable. Ben, moi, dans tout en général, mais mon ami a dû faire euthanasier un chat récemment. Excuse. Ouais, non, je sais. Ben, j'ai eu la même réaction. C'est quand drôle elle m'a faire euthanasier de quoi? Ça me fait rire comme mot. C'est trop un beau mot. Elle m'a demandé tuer de l'accompagner, chose. Genre. Puis j'étais fait. J'ai ri, j'ai dit pourquoi moi? Je suis genre la pire personne pour consoler. Puis elle était comme non, c'est ça que j'ai besoin, genre. Puis son chat s'appelle Simba, c'est Jade.
OK. Ouais, Jade, son bébé chat. Puis son chat s'appelle Simba. Son bébé chat? Ouais, il était bébé. En tout cas, grosse affaire. Mais non, ils sont pas chanceux, eux autres. Ah, non, je sais. Deux, il a tombé sa tête. Il est devenu aveugle en une semaine. Il se pissait dessus. Genre, c'est terrible, là. Sérieux, là. Puis c'est un amour, ce chat-là. En tout cas, pas tant, là. Mais... Puis, on est allé à l'hôpital, puis c'est à Saint-Hyacinthe. On est des petits démons, là. On est des mangeurs de merde, là. Genre, mettons, on pleurait pas dans l'auto. On mettait les Twins du Roi Lion, genre. Non! Puis là, on avait le chat, puis on était genre. Puis, mais c'était un beau moment, genre, mais on essaie de le rendre heureux. Puis, hey, mais durant l'euthanasie, on était pas capable, on faisait, tu sais, des jokes de pète, genre. On dirait que c'était trop dark, puis c'était mon premier rapport avec la mort aussi proche, genre. Dans le sens, mon grand-père est mort, mais d'assister à quelqu'un perdre la vie en le touchant, c'était la première fois. T'as jamais vu que... Moi c'est ça, tu sais, autant que genre, j'aime ça, des gars, quand c'est genre des moments... Deep, genre, je suis le gars le plus émotif. Genre, admettons, des funérailles, je braille comme un malade. Ah, moi, t'sais, j'ai vécu, admettons, une de mes ex, on était dans la chambre là, quand son grand-père est décédé. Là. Genre, je l'ai vu comme juste mourir devant moi. Ça me cringe. Puis j'ai braille. Genre, je suis vraiment, vraiment, vraiment émotionnel. Ah ouais. Puis c'est pour ça aussi que genre, j'aime ça en faire des gags. Tu sais, comme j'ai un de mes amis qui a perdu sa mère récemment. Puis c'était vraiment tough. Puis genre, c'était. Tough en Christ, tu sais. Puis il m'a invité, tu sais, le 2-3 jours plus tard, tu sais, comme là, quand il fallait qu'il. Puis il était comme là, genre, j'ai besoin que tu viennes être drôle, genre. Ouais. C'est pour ça que. Puis là, tu sais, un des premiers. T'sais, flatte-moi pas dans le dos, là. Non, il était comme, tu sais, toute ma famille est déjà là pour ça. Là, j'ai besoin de mon chum. Qui... Ouais. Un des premiers gags que j'ai fait, c'est ça, il arrive, puis il est comme là, tabarnak, faut payer les funérailles, faut tout payer, esti. Puis quand je suis broke, puis j'étais comme, broke. Il était comme petit fucker, man. C'est comme, hey dude, s'il y a une bonne affaire dans tout ça, c'est que si t'as du cash là. Mais c'est ça. T'sais, il était comme, tu sais, il riait. Mais puis... il en faut. Parce que j'étais comme, je lui ai demandé, j'étais comme, pourquoi tu m'invites? Puis elle a dit, ben, elle dit, je pense que si genre mes parents mouraient, j'aurais comme une amie à voir sur le coup qui m'aiderait à me consoler. Puis genre, une journée ou deux journées après, je la passerais juste avec toi pour que tu me changes les idées puis que tu fasses des jokes. Tu sais, moi, j'étais allé chez elle hier puis j'ai fait, ah merde, c'est vrai. C'est drôle. C'est drôle. Mais genre, c'est borderline quand même. C'est borderline, mais Chris, c'est drôle. Ouais. Tu sais, des gags de même.